Non, il dit la co. Vitesse égale. Très bien. Ulysse, singe, lion. J'ai donné un truc, hein. Nicolas, chômeur. Marlo. Corentin, dit Jar Jar, lion. Producteur de cinéma. Florian dit. Il y a la musique. Tu recommences. Ma première chose. Florian dit la saucisse gentille de Lyon. De Lyon. Boutargue. Bah j'habite à Lyon quoi. Oh ça va, je parle toute ma vie. Mohamed dit Momo Benzo, 23 ans Casablanca. Parfait, on en a bien trop appris. Ainsi, à chaque manche, vous pouvez tenter de faire grossir la cagnotte finale en réalisant des chaînes de questions et de bonnes réponses, surtout. Donc, je compterai les bonnes réponses à la suite. Et si vous parvenez à en faire 8 à la suite, on augmentera la cagnotte finale d'un point. 21. Vous êtes prêts à en découdre ? Oui ! Oui ! Vous êtes prêts à identifier celui qui n'a pas inventé l'eau chaude et qui va donc prendre une douche froide ? Prêt ? Ouais. Très bien, alors c'est parti. Sur notre planète, l'eau est-elle majoritairement douce ou salée ? Douce. Faux, salée. Le Charles de Gaulle est-il un sous-marin nucléaire ? Vrai ou faux, Florian ? Voilà. Oh non, tu le sais, ça. C'est un problème, gros. Quentin, vite Quentin, quel géant de l'Odyssée la Corneille ? Le Cyclope ? Nicolas. Par rapport à quel méridien leur GMT est-elle calculée ? Ma bite. Négatif, c'était Greenwich. Quel os de l'épaule décrit une forme de S ? La clavicule. Très bien. La co. Quel est le plus grand entre le mille anglais et le kilomètre ? Oh putain, le mile. Le mile. Très bien. Momo, à l'opéra, quelle voix féminine est la plus aiguë ? Faut donner un nom. À l'opéra, quelle voix féminine est la plus aiguë ? C'est un temps. Je... Très bien, c'est la fin de la première partie. C'est quoi, là ? Temps de voter. À toi l'honneur. Pour qui est-ce que tu votes ? Tu peux nous le montrer à l'écran. Il y a déjà deux. À moi ? Non, mais c'est bon. La mise au point. Il vote pour lui-même. Donc le maillot faible, vous pouvez quitter la partie. Merci bien. Bravo. Oui, c'est vrai qu'on a fait. On envoie des flots. Dans quelle ville se situe la fontaine de Trévi ? À Trévi. Négatif à Rome. Ah, oui. Coco, sur un voilier, le gouvernail se situe-t-il à l'avant ou à l'arrière ? À l'arrière. Très bien. Nico, quel numéro 10 brésilien a été triple champion du monde ? Le 10 ? C'était Pelé. Ah. Numéro 10 brésilien. Tu peux couper la question ? Au football. Ulysse, dans quel jeu en santé ? Le fameux coureur. Le numéro 10 ! Ronaldo numéro 10 dans ma team. Vite, vite ! Dans quel jeu remporte-t-on le 10 de der grâce au dernier pli ? Le pas. Dans quel jeu remporte-t-on le 10 de der grâce au dernier pli ? Aucune idée. Très bien. C'est la pelote. Donc, Laco, comment s'appelle l'album à succès de la chanteuse Angèle ? Ah putain, c'est... Vous pouvez passer si vous êtes... Grol. Grol. Brol. Flo, à quelle famille de volatiles aquatiques appartient le colvert ? C'est super facile. Les oiseaux. C'était un canard, Colbert. L'ensemble. Mais l'eau, c'est vrai, c'est un oiseau. L'ensemble des touches alpha numériques d'un ordinateur. Zerti. Attends, pardon. Comment appelle-t-on l'ensemble des touches alpha éteindre, numériques oui. d'un ordinateur ben, un alphabet. Mais Bello, mais... Ah, pardon. Nicolas. Oui, non, mais attends, c'était moi, pour là. Ah, Nicolas, tu as des maillons faibles dans ma team. Pendant la grosse fesse, qui du papa ou de la maman fait une couvade ? La maman ? Et non, le père. Ulysse, la Tunisie se trouve au sud du Sahara, vrai ou faux ? Faux. Bien. Heureusement qu'on joue pas pour les petits affaires. Laco, en quoi un nihiliste croit-il ? Trop tard. Non, rien.
Très bien, mais c'est trop tard, c'est con. Bon. Très bien, la deuxième manche s'achève. Vous avez pu constater qui aurait mieux fait de continuer à smash plutôt que de vous embourber. Ah bah là, on a constaté, là. Je vote pour Ulysse. Moi, je vote pour Flo. Raison de plus pour voter. Pas d'ensuite. Moi, je vote pour Flo. Parce que c'est une belle saucisse. Bah, moi, je vote pour Boudin et Neuch. Parce que... bah, que dire sur Boudin et Neuch? Moi, je vote pour Flo. Florian, vous êtes le maillon faible. Je pense qu'à force de manger des crêpes, tu t'appelles le cerveau. Oh dans Blanche-Neige, quel nom a pour nom son humeur détestable? Je passe. Grincheux. Laco, dans quel film de Stanley Kubrick traite-t-il de la violence d'une Angleterre futuriste? Orange Mécanique. Très bien. Nicolas, quelle capitale était appelée Philadelphia au temps des Romains? Philadelphie. Oui, désormais c'est Amman. Merci d'être passé. Ulysse, quel mathématicien grec attribue-t-on l'invention des tables de multiplication? Euclide. Négatif. Pythagore. Laco, sous quel nom le roi Louis IX apparaît-il dans le calendrier? Saint-Louis. Très bien. Nicolas, quel os du corps humain est le plus long et le plus solide? Si tu restes ta bite, je te prends. Le fémur. Ulysse, quel musée parisien est considéré comme le plus grand du monde? Le Louvre. Très bien. Laco, comment appelle-t-on un spationaute russe? Un Spoutnik. Cosmonaute. Oh, Corentin, le matin, combien de chaussures une maman de quadruplé doit-elle lacer? Bah 8. Très bien. Nicolas, quel président américain a prononcé le célèbre « Ich bin ein Berliner » ? Ah, c'est qui ? Que 3 en lice, les deux restants pourront se départager les points. Vous vous battez donc pour avoir des points ou ne pas en avoir. Okay. L'un d'entre vous repartira bredouille et ce sera mérité vu comment vous êtes nul. C'est parti. Les numéros écrits sur le manche d'un pinceau indiquent-ils leur largeur ou leur longueur? Leur largeur. Très bien. Ulysse, le mot en tête est-il masculin ou féminin? Masculin. Très bien. Laco, dans quelle ville se trouve le club de football de Chelsea? À Londres. Très bien. Corentin, quelle est la couleur du rubis? Rouge. Oui. Ulysse, quelle est la capitale de la Suède? Stockholm. Laco, dans quel roman de Victor Hugo trouve-t-on le personnage de Quasimodo? Le bossu Notre-Dame. Notre-Dame de Paris. J'accepte, parce que vous êtes nuls. Corentin, sur quelle chaîne de montagne l'Everest se situe-t-il? Himalaya. Très bien. Ulysse, à quel réalisateur japonais doit-on le voyage de Chihiro ou la princesse Mononoke par exemple ? Miyazaki ! Oui. Laco, à quel écrivain doit-on la Divine Comédie ? Vous êtes à 7 réponses. C'est Dante. Ah merde, on n'a pas les pourboires. Corentin, d'après la Bible, dans quel jardin Adam et Ève ont-ils croqué la pomme ? Le jardin d'Eden. Oui. Ulysse, dans quel pays peut-on se la couler douce sur l'île de Djerba ? Maroc.
Tunisie. Laco, quel animal vêtu d'un nœud papillon est-il l'emblème de la marque Playboy? Je n'accepterai pas la réponse, c'est trop tard. Les deux finalistes s'affronteront donc dans une suite de 5 questions sans timer. C'est comme au tir au but. Celui qui en marquera le plus aura gagné. Qui est votre maillot faible? Désolé mon Laco. Ouais, oui. En plus, t'as fait perdre le... Ulysse. Laco, malheureusement. J'ai longuement hésité, mais bon, tu t'as coûté le point bonus, donc... Moi, c'était Coco. C'est bien dommage. Dommage. Ça va bien. Il se prenait pour le plus musclé, mais il a oublié que le cerveau était un muscle. Oh, il a fait une punchline sur chacun de nous, ce connasse. Tu es prêt? Je suis prêt, Laurence. De quelle région viticole est issu le vin de la Romane Conti le plus cher du monde? Rhône. La Bourgogne. C'est la Bourgogne, par voir. Attends, tu veux pas regarder la finale? Ça c'est pour vous. Non, je vais me coucher, je suis fatigué. Mais c'est nous qui te faisons des cadeaux, c'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Non, ça me fait plaisir. Bah, mais non, j'allais en ensemble demain. Non, tu veux la boire ce soir, il y en a d'autres pour demain. Bah merci. Mais c'est aujourd'hui. Au revoir mes chéries. Bonne nuit. Et encore bon anniversaire. Il a mis ses chaussons, maintenant il va dormir. C'est trop bien, ça. Oh, c'est passé. Ulysse, je rappelle que tu as tout le temps. En 1305, dans quelle ville le pape part-il s'installer au détriment de Rome? Avignon. Oui, le palais des papes. Tout à fait. Il vient de là-bas. Je veux dire, il y a un moment, moi ça va plus du tout là. Ça va plus du tout. C'est vrai que t'habites loin de la Bourgogne. Corentin Clapeau. Quelle devise repose sur la locution plus vite, plus haut, plus fort? Repose? Quelle devise c'est? C'est la devise de Fort Boyard. C'est la devise olympique. Quel écrivain français est le plus grand représentant du naturalisme? Zola. C'est bien. Quentin, quel est le film français qui a généré le plus de recettes aux États-Unis? Les Tuches. Le film français ayant généré le plus de recettes. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah, mais le poulet. C'était Taken. C'est français? C'est français. Je savais pas si c'est français. Quel est le nom usuel des chiroptères? Les scarabées. Négatif, les chauves-souris. J'aurais dit un insecte aussi. Oui, c'est les chauves-souris. Putain, 2-0, c'est terrible. De quel pays Salazar était-il le dictateur? Salazar de Serpentard, donc c'est la Turquie? Portugal. Le Portugal. Je sais pas. Quel est le cri du loup? Le loup? Il faut que je le fasse? Non. Aouh! On peut pas dire fais-le! Oh merde. Après, si tu fais le cri de la baleine, on compte le point. Un hurlement? Oui. De quel philosophe est la pensée, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point? Si, c'est c'est pas Aristote? C'est Pascal. Donc nous avons un gagnant. Oulish repartira donc avec 4 points. Et Corentin avec 2. Ça me fait plaisir. Bah, voilà, Corentin, vous êtes le maillon faible de cette finale. Ouais, t'as la médaille en chocolat, quoi. J'attends la punchline, moi. T'en avais pas sur le coup. Ceux qui devaient être en finale ne l'ont pas été. Bah, ils ont été Bravo. Je vais me noyer dans l'alcool, c'est tout ce qui me reste.